J'espère que vous allez bien d'avoir mandé à côté de nous. Comme d'habitude, quand je fais des vidéos, elle est toujours à côté de moi. Alors, comme vous voyez, j'ai mis ma petite cape. Et oui, je vais refaire ma couleur. Car j'avais fait une couleur avec une couleur, mais alors vraiment de la merde. Pas dire le mot. Ah, bah, c'est sûr, je n'avais pas payé cher, 1,99€. Mais bon, c'était vraiment. Ça n'a pas tenu du tout, du tout. Mes cheveux blancs sont revenus, mais vraiment grave, hein. 3 jours après, il y avait déjà tous les cheveux blancs. Donc là, j'ai été racheter donc la couleur. J'étais à Auchan en fait. Donc c'est la marque Swarovski, c'est palette. Voilà, donc là au moins, il n'y aura pas de problème au niveau de la qualité. J'ai déjà pris déjà ce genre de choses. Donc c'est palette, la couleur 7-0, c'est blond foncé. Donc, je vais faire ma couleur avec ceci. Voilà. Et j'ai acheté aussi, donc ça, ce ne sera pas le même jour que je vais faire les mèches. Voilà. Les mèches, la marque Garnier, ultra blond. Voilà. Donc, ça, je le ferai peut-être d'ici 2 ou 3 jours après ma couleur. Donc, combien j'ai payé? Pas très cher, hein. Moins cher que chez Salon de Coiffure. Alors, la couleur, je l'ai payée 3,89 €. C'est vraiment pas cher. En plus, c'est une marque. C'est la marque Swarovski. Donc, c'est pas cher. Voilà, coloration, crème soin permanente. Donc, c'est correct. Donc, 3,69, non, 3,89. Et j'ai pris pour les mèches, donc 11,11 €. Ce qui m'a fait un total de 15 €. 15 € tout rond. 15 € tout rond. Voilà. Donc, c'est pas cher. Couleur plus les mèches. Voilà. Donc, je vais me faire ça moi-même, bien sûr. Déjà, je vais commencer par poser la couleur. Et après, d'ici 2-3 jours, je ferai donc les mèches. Voilà. Comme ça, je serai toute belle. Enfin, j'espère. Je vais aussi couper mes cheveux. Parce que je trouve qu'ils sont trop. Enfin, ils sont pas. C'est pas long, mais ils sont pas assez dégradés. Donc là, je vais dégrader, en fait. Moi-même, hein, bien sûr. Je vais bien dégrader de ce côté-là. Peut-être les recouper un tout petit peu au niveau de la longueur. Voilà, ça ne leur fera pas de mal. Donc, on va commencer par poser la couleur. Et je vous retrouve après. Me voilà avec la couleur posée. Ça pique un petit peu, mais bon, voilà, hein, s'il y avait de l'ammoniaque. Hein. Donc, bah, je préfère une couleur avec un peu d'ammoniaque que sans ammoniaque, parce que vraiment, sans ammoniaque, c'est pas terrible, hein, le résultat que j'avais eu. Enfin, bref, donc, après, tout dépend des personnes. Voilà, donc, la couleur est posée. Il n'y a plus qu'à attendre de 30 minutes. Après, je vais donc rincer, je vais recouper mes cheveux et je vous montrerai comment ça rendra après. Allez, à plus tard. Donc voilà, la couleur posée, rincée, séchée. Donc j'ai juste séché mes cheveux en fait. Je n'ai pas coupé pour l'instant, mais je vais le faire. Je vais couper mes cheveux. Voilà, un petit peu. Et puis voilà. Donc la couleur est vraiment pas mal. Du tout, du tout. Donc là, ça me plaît vraiment beaucoup. Voilà, les cheveux sont beaux, sont doux. Il n'y a plus qu'à couper un peu. Et puis d'ici 2-3 jours, je ferai les mèches. Et ça fera vraiment un contraste sympa. Enfin, j'espère. Allez, à tout à l'heure. Coucou, nous sommes lundi 23 mai. Je vais donc faire mes mèches. Alors, j'ai commencé à sortir mes mèches en fait. Voilà. Et je vais donc appliquer le produit. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Ouh, ils sont où les oreilles sèches? Là là. Bon, voilà, le produit est posé sur ma tête. Donc, plus qu'à attendre l'éclaircissement. Donc, moi, je veux des mèches très, très blondes. Comme je me suis fait une couleur blond foncé, donc je veux vraiment un contraste. J'espère que ça sera réussi. Voilà, donc bah, je vous dis à tout à l'heure pour la finale. Me voilà, donc ça y est, je suis coiffée, les mèches sont finies, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus blond.
Voilà. Donc, quand ça va repousser, ben, j'aime beaucoup mieux parce que quand ça repousse, il y a plus de contraste. Les cheveux sont mieux mélangés, en fait. Enfin, en tout cas, les mèches blondes, c'est toujours mieux 15 jours après. Voilà. Donc, voilà le résultat. Donc, je suis plutôt très, très contente. Voilà. Voilà, les mèches sont faites. Ben, pour au total, couleur. Plus mèche, 15 euros. Voilà. Donc, bah, je suis ravie. C'est très beau. Enfin, moi, ça me plaît en tout cas. Ça sera mieux en 15 jours. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!